C'était vraiment une très mauvaise idée de manger de la nougatine avant puisque j'en ai plein les dents. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 9 mai et j'ouvre un nouveau vlog. Je vous ai laissé hier, j'allais attaquer le dernier roman de Virginie Grimaldi, Il nous restera ça, qui est donc paru la semaine dernière aux éditions Fayard et j'allais l'attaquer hier. Je l'ai attaqué hier soir et j'en ai lu moitié. Et j'ai pris mon temps et je me suis arrêtée parce que j'ai toujours ce même effet avec les romans de Virginie Grimaldi où j'ai qu'une envie, c'est d'aller plus loin, de tout savoir, et je me suis freinée. Je me suis dit, il faut quand même qu'il me fasse 2 jours. Donc voilà, je me suis arrêtée hier, j'en suis à la page 205 et il en fait 390, un truc comme ça. Je me suis arrêtée et j'ai dit, je terminerai aujourd'hui. Je vais vous lire la quatrième. À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves car ils en foutent partout quand ils se brisent. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur, rien ne les destinait à se rencontrer. Quand le hasard les réunit sous le même toit, ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète se retrouvent malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. C'est l'histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Écoutez, je suis très très bien dans ce roman. Le premier chapitre a le même coup de poing, je trouve, que dans ses précédents romans. Elle a ce truc, Virginie Grimaldi dans la plume, où tu commences, où tu termines le premier chapitre en faisant déjà un... Elle t'a déjà mis une première petite claque, quoi, on va dire. Virginie Grimaldi, elle est fidèle à elle-même au niveau de la plume, au niveau des émotions, au niveau de tout un tas de choses. Elle parle si bien et elle est si drôle en même temps. Vraiment, je vais revendre mes gosses. Du coup, je ne sais absolument pas plus ce que je disais. Oui, je suis extrêmement bien dedans. Je peux déjà dire que c'est un roman qui me plaît, qui me plaira. Je sais pas où on va. J'imagine qu'on va... Virginie Grimaldi, elle peut proposer 2 choses dans ses romans. Elle peut proposer des tranches de vie, c'est-à-dire des choses qui se passent, etc. Des belles histoires avec une morale presque, j'ai envie de dire, à la fin. Ou alors, elle peut nous proposer des trucs avec des twists. Je suis pas sûre que dans celui-ci il y aura un twist. Je le terminerai sans aucun doute ce soir. Et voilà. Au niveau de l'audio, je vais vous en reparler également, mais très succinctement. Et j'en ai même pas parlé dans le précédent vlog, mais j'avance si lentement dans Jenner de Charlotte Brontë que bon, ça vaut pas trop le coup que je vous en parle. Mais je suis toujours dedans. Je suis toujours avec Jenner et j'ai lu, écouté plutôt environ 150 pages. Je pense que je vais me refaire une petite partie à l'écrit pour re-rentrer plein de choses dans ma tête. Mais écoutez, je passe toujours un bon moment. C'est pas voulu ce temps que je mets. C'est pas parce que je m'ennuie en fait que je n'y retourne pas. C'est parce que j'ai pas forcément l'occasion d'écouter mon livre audio en ce moment. Mais voilà, je suis très bien dans ce roman de Charlotte Brontë. Sinon, aujourd'hui, j'ai fait des petites réceptions. Enfin, très exactement, j'ai dû en faire une samedi. La première, ça me vient de chez Charleston. Et j'ai reçu M'asseoir, 5 minutes avec toi, de Sophie Jomin, qui est donc paru l'année dernière en grand format et qui ressort cette année au format poche. J'en avais vu des très bonnes critiques de ce roman-là et il me faisait très envie. Et puis j'ai notamment ma copine Claire du compte Fleur de Plume qui m'en a très très bien parlé et qui m'avait dit qu'elle avait adoré ce roman-là, donc qui m'a donné très envie. Au format poche, il fait 270 pages. Sophie Jomin, j'ai lu qu'un truc, qu'un seul roman d'elle qui s'appelle Les Tortues, je sais plus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme avis dedans? On a Marine du compte Toile de Mots. Coup de cœur, c'est les yeux remplis de larmes que je referme cette histoire. Le sujet est traité avec finesse et de manière si bienveillante. J'ai été en colère, déçue et fière avec Claire. J'ai ri avec Pauline, j'ai été perdue avec Julien. Mais avant tout, j'ai été touchée en plein cœur par cette famille. Voilà, je ne sais pas.
après lequel. La quatrième, Julien est parti il y a 3 mois. Il ne nous a pas quittés, il a démissionné de lui-même. L'annonce de son départ a été un cataclysme. Il s'en est allé un matin, laissant une longue lettre dans laquelle il expliquait que tout était sa faute, qu'il nous aimait, mais qu'il nous rendait malheureuses. Pauline et moi, 19 ans de mariage, comment a-t-on pu en arriver là? Une nouvelle vie commence pour Claire, et c'est grâce à sa fille qu'elle avancera pas à pas dans son regard et qu'elle puisera une force insoupçonnée. Avec tendresse et émotion, m'asseoir 5 minutes avec toi nous plonge dans la réalité d'une famille que seul l'amour saura renforcer. Je connaissais pas, je m'étais jamais intéressée à la quatrième. Ça peut faire écho un peu, ce genre d'histoire. Ensuite, aujourd'hui, j'ai reçu 2 petites choses. La première chose, ça me vient, je pense, de Le Duc. Ouais, c'est ça. Et j'ai reçu Et si on changeait d'angle, de Fanny Vella, aux éditions donc Le Duc. Fanny Vella, c'est celle qui a écrit Vermicelle, dont je vous ai parlé il y a très peu de temps sur Instagram et un petit peu plus longtemps sur YouTube. Et j'avais tellement adoré Vermicelle que quand j'ai vu qu'elle sortait un autre graphique, je me suis dit celui-ci il me faut également. Je vais vous lire la quatrième. Quel parent n'a jamais forcé un enfant à prêter son jouet à son copain, à mettre son manteau, à finir son assiette ou à embrasser son tonton en considérant que ce sont des principes d'éducation tout à fait banals? Et si on changeait d'angle? Et si on transportait ces situations dans le monde des adultes? Ce serait totalement incongru. Imaginez-vous demander à votre mari de prêter sa voiture à un inconnu ou de lui imposer d'embrasser Tante Agathe pour lui dire au revoir. Avec beaucoup de subtilité, d'humour et d'ironie, Fanny Vella nous invite à voir la parentalité et l'enfant autrement, afin de déconstruire bon nombre d'idées reçues. S'il est aussi réussi que Vermicelle, je risque de passer un excellent moment avec celui-ci et je vais le lire très rapidement pour pouvoir vous en reparler très vite. Un grand merci les éditions Le Duc et Charleston pour l'envoi de ce roman graphique et du roman de Sophie Chaumin. Ensuite, ça, je pense savoir ce que c'est, ça me vient des 13 de la Cité. C'est ça. Oh, la couverture, elle est d'une beauté. Par l'auteur de La Fabrique des Poupées, que j'ai honteusement toujours dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu, mais qui me fait très envie. Il faut que je l'en sorte, mais du coup, bah, je pense plutôt que je vais commencer par celui-ci. Le Cirque des Merveilles de Elisabeth MacNeil. Peut-être qu'on dit bien comme ça. Je vais vous lire également la quatrième. Angleterre, 1866. Neil vit rejeté de tous à cause des taches de naissance qui constellent son corps. Lorsque le cirque des merveilles de Jasper Jupiter plante son chapiteau non loin de chez elle, son existence bascule, son père la vend au propriétaire comme nouveau phénomène de foire. Contre toute attente, la jeune fille voit son horizon s'élargir. Elle se lie d'amitié avec les autres artistes et se prend d'affection pour Toby, le photographiste. Elle, qui n'a connu que l'obscurité, entre enfin dans la lumière et c'est un véritable triomphe. Mais que lui arrivera-t-il le jour où son succès menacera d'éclipser celui de l'homme qui l'a acheté? En préférant Toby à Jasper, ne risque-t-elle pas de mettre en branle une mécanique fatale? Il me tentait beaucoup, vraiment beaucoup, quand j'ai vu la quatrième, qui font toujours un super travail d'édition éditoriale. Il est magnifique, ce roman. Et ça, c'est l'autrice. Un grand merci aux Presses de la Cité pour cet envoi. Et puis écoutez, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprendrai peut-être pas demain, mais mercredi sûr pour vous débriefer le Virginie Grimaldi. Je vous reprends plus tard. Vendredi, j'ai pas du tout pu vous reprendre un peu plus tôt dans la semaine. J'ai eu une semaine compliquée, donc écoutez, on fait avec les aléas de la vie. Je vous reprends pour vous dire que j'ai terminé donc le dernier Virginie Grimaldi. Ça, je l'ai terminé lundi soir. Il nous restera ça. Je vous ai un petit peu parlé de la quatrième de couverture un petit peu plus tôt dans ce vlog, donc je vais pas revenir dessus. Je vais pas revenir sur l'histoire parce que je sais que beaucoup de personnes sont comme moi et qu'elles aiment partir un petit peu à l'aveugle dans les romans de Virginie Grimaldi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé. Comme d'habitude, on retrouve la singularité de la plume de Virginie Grimaldi. C'est-à-dire que beaucoup font ça, beaucoup parlent de sujets importants, de sujets graves.
avec humour et avec parfois les larmes qui te font monter aux yeux, mais je trouve toujours que la plume de Virginie Grimaldi, elle est un petit peu plus intense que les autres et un petit peu plus puissante. C'est mon autrice préférée, Virginie Grimaldi, et j'ai retrouvé tout ça dans ce roman. J'ai appris à connaître trois personnages absolument fabuleux, attachants, avec leur casserole, avec la lourde valise qu'ils ont à traîner. Ils ont chacun un parcours de vie particulier, et ils ont chacun des choses à nous dire, des choses à nous apprendre. Ils m'ont beaucoup, beaucoup touchée. Je crois que j'ai un gros coup de cœur pour le personnage de Théo, ce jeune homme qui, je vais vous en parler un tout petit peu, qui au début de l'histoire en fait est SDF et qui a 18 ans et qu'il commence à peine sa vie et qu'il la commence déjà d'une manière très compliquée. Et je le trouve très touchant. Je trouve très touchant Iris aussi, cette jeune femme qui fuit quelque chose. Et puis Jeanne, qui elle a 74 ans et qui vient de vivre un grand, grand bouleversement dans sa vie. Et voilà, tous les trois, ils vont se retrouver à s'entraider. Je ne sais pas si ça pourrait arriver, ça, dans la vraie vie, ce qui se passe dans ce roman. Certainement, il doit y avoir des histoires aussi jolies que celle-ci. C'est de nouveau un coup de cœur, ce roman-là. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que je vous invite, comme toujours, à lire les romans de Virginie Grimaldi. Virginie Grimaldi, elle a ce quelque chose dans la plume en plus que tous les autres auteurs pour moi. Alors ça ne veut pas dire que les autres, évidemment, c'est nul, hein, c'est vraiment pas du tout ce que je dis. Je dis que les autres, c'est parfait, mais que Virginie Grimaldi, c'est encore un cran au-dessus. Il va pas rentrer dans mon top 3, celui-ci. Mais en fait, on va dire que j'ai un top 3 et puis tous les autres derrière, je les mets tous quasiment au même niveau parce que j'arrive pas à les départager. Les deux derniers romans qu'elle a écrits, Virginie Grimaldi, l'année dernière et l'année d'avant, je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais plus. Les possibles et il ne dure que les et que ne durent que les moments doux. C'est vraiment des romans qui sont venus moi me percuter, qui me parlaient au niveau des situations, qui me parlaient au niveau de l'histoire de vie, etc. Et du coup, c'est vrai que ça avait été un raz-de-marée. J'avais également eu un très très grand coup de cœur pour Prendras quand tu seras grande. J'avais eu un énorme coup de cœur. Ce roman-là, il était venu me bousculer et remettre beaucoup de choses en question dans ma façon de faire les choses et de voir la vie. Et j'ai adoré. Voilà, ces trois romans-là, c'est mon top 3. Celui-ci ne rentrera pas dans le top 3, mais c'est un coup de cœur également. C'est encore une fois parfait. C'est encore une fois. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est Virginie Grimaldi. Et je crois que je dis tout, en fait, en disant ça tellement, tellement cette femme, elle sait écrire des choses puissantes, des choses belles, des choses drôles. Voilà, tu ris, tu pleures, c'était encore trop bien et il faut attendre un an ou peut-être plus parce que bah voilà, je sais pas dans combien de temps je sortirai un nouveau roman ça va être long d'attendre un nouveau roman de Virginie Grimaldi. Ensuite, j'essaye de faire vite et concis parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai des travaux chez moi et qu'à tout moment, la disqueuse peut se mettre en route et donc ne plus pouvoir vous parler. Mardi, je n'ai pas lu. Mercredi, j'ai attaquillé quelques pages de Northanger Abbey de Jane Austen. Je ne sais pas comment on prononce le titre, donc je vais dire Northanger Abbey avec une très très belle version de chez Hauteville. C'est un format relié avec dedans des illustrations. Je viens d'avoir un mauvais, une mauvaise expérience avec Madame Bovary que j'ai pas spécialement aimée, que j'ai même abandonnée. Donc j'y reviendrai un jour ou l'autre, mais pour le moment j'ai abandonné. Et du coup, je suis partie sur ce livre-là de Jane Austen. Jane Austen, c'est une autrice que j'aime beaucoup. C'est du classique, hein, je vous apprends rien. Donc c'est une écriture un petit peu plus soutenue. Mais je trouve que celui-ci, il est vachement accessible par rapport à d'autres que j'ai pu lire. Je me souviens la première fois que j'ai lu Orgueil et Préjugés, je le trouve parfois pas simple en fait à se mettre dans l'histoire, à se mettre dans l'ambiance, etc. Alors que celui-ci, je vais tout de suite dedans. Je trouve qu'il est écrit d'une manière que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un classique, mais que je trouve extrêmement accessible. Je vous ferai l'update et mon retour de lecture quand je l'aurai terminé. J'en suis à la page 141. Vous voyez, depuis mardi, on est vendredi, j'ai vraiment pas lu beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est ok, on lit comme on a envie. Voilà, j'espère le terminer assez rapidement.
D'habitude, pour les livres de Jane Austen, je me fais une fiche avec le nom des personnages parce que parfois je me paume un peu. Là, il y en a pas mal, mais j'ai pas eu besoin de. Enfin, je suis pas paumée. J'ai pas de fiche de lecture et pourtant, bah, je suis bien. Je trouve que c'est assez fluide, assez limpide. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Sinon, j'ai reçu cette semaine un colis que j'attendais pour ouvrir avec vous. J'attendais de pouvoir vlogger. Je l'ai reçu, je crois, mercredi. Et je suis trop contente d'avoir reçu ça. Bon, normalement, si vous me suivez sur Instagram, j'ai déjà fait. Je vais tourner un réel pour ce colis. Ou une story, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et donc, c'est un colis qui me vient de My Jolly Candle, une marque de bougies que j'aime beaucoup, que j'ai déjà commandée. Là, c'est eux qui m'ont contacté pour me faire parvenir une bougie. Mais c'est une marque que je connais déjà, pour laquelle j'ai déjà été cliente, j'ai déjà acheté quelque chose. Et donc, j'ai reçu ce petit colis. Vous avez rendez-vous avec vous. Et donc, ils m'ont proposé de me faire découvrir une bougie. Et j'ai donc choisi celle-ci. J'ai choisi la bougie avec le parfum des draps de l'hôtel parce qu'en général c'est une odeur qui me parle. Et j'ai choisi la bougie avec le petit bracelet doré. Ça sent trop bon. Chez eux j'ai déjà, alors peut-être que c'est plus exactement, parce que ça fait un bout de temps quand même que j'ai commandé chez eux, ça doit faire 3-4 ans. J'avais commandé pour la fête des mères justement, une bougie à ma mère, une bougie à ma belle-mère. Ma mère j'avais pris Monoï il me semble, ou Monoï c'était pour moi parce que je m'en étais commandé une aussi. Ma belle-mère, j'avais pris un truc genre fleur de cerisier, elle avait adoré. Ma mère, j'arrive plus à me souvenir ce que j'avais pris. Bref, peu importe. Les trois fragrances avaient beaucoup plu à ma belle-mère et à moi. Et là, bon, ça sent de nouveau très bon. Alors, c'est un peu chelou ce que j'ai fait, mais ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'en fait, on pouvait personnaliser les étiquettes. Et j'ai décidé de m'auto-faire un cadeau pour la fête des mères. Et donc, j'ai écrit dessus « Bonne fête, Mamoun », parce que c'est comme ça que les garçons m'appellent. J'avais hésité, je m'étais dit peut-être que je vais mettre « Madame Chachali » ou « Chute Jolie », un truc comme ça. Et j'ai trouvé l'idée de la personnalisation hyper cool, notamment pour la fête des mères. Genre, voilà. Voilà ce que j'ai reçu cette semaine. J'ai droit à un petit code promo que je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais vous êtes intéressé pour vous faire un autocadeau pour la fête des mères, pour vous faire pour offrir quelque chose à la fête des mères. Là c'est fleur blanche jasmin coton. Moi je sais que ça leur avait beaucoup plu parce que bah il y a la bougie déjà et puis après il y a le petit bracelet que tu découvres une fois que ta bougie a commencé à se consumer. Et ouais, je trouve ça hyper chouette comme concept et comme idée. J'avais beaucoup adhéré à l'époque et là quand ils m'ont proposé My Jolly Candle, je me suis dit mais oui, avec grand plaisir. Voilà, je vais arrêter de blablater pour ce matin parce que je sais que la disqueuse va se remettre en route d'un moment à l'autre. Je vous reprendrai demain pour vous parler un petit peu plus de Northanger Abbey et puis voilà, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est samedi, niveau lecture, je suis toujours dans le livre de Jane Austen. J'en suis à la page 255, il en fait 310 et quelques. J'espère réussir à le terminer aujourd'hui pour pouvoir vous en parler dans ce vlog. J'aime toujours autant ce roman-là de Jane Austen. Pas mon préféré, mais j'aime bien. Je vous reprends surtout parce que j'ai reçu des colis. Je vais les ouvrir avec vous, pour montrer tout ça. Alors, le premier, il s'agit du premier livre des éditions Nami, pardon, qui est sorti cette semaine ou un petit peu avant, je sais plus. Il s'agit donc de La Bibliothèque des Rêves Secrets de Michiko Aoyama, qui est donc déjà sorti chez Nami. Je vais vous lire la quatrième. Femme imposante et énigmatique coincée entre le paravent et le bureau d'angle du coin conseil d'une petite bibliothèque en plein cœur de Tokyo, Sayuri Komachi attend patiemment ceux qui décident de venir la voir. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités, ils sont au croisement dans leur vie. Et à chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il croyait être venu chercher. Mais ce choix ne révèle pas du hasard, car derrière cette lecture imprévue et surprenante se dessinent les premiers jalons d'un nouveau départ. Voilà, moi je l'ai lu. Dans le cadre d'Électrice Charleston, nous avait demandé si on pouvait lire également le premier livre des éditions Nami. C'était pas ça qu'est ça pour moi. Mais beaucoup, beaucoup l'ont aimé. Beaucoup de lectrices l'ont aimé. Certaines lectrices Nami avec qui je discute l'ont aimé. Donc je pense que moi je suis passée à côté. C'est un livre, hein, pour moi, de développement personnel, un peu trop lent. Mais je vous invite à vous faire votre propre opinion dessus.
Pour moi, voilà, ça l'a pas fait. Et voilà, je ne le. C'est pas horrible, j'ai pas passé un moment horrible, mais bon, j'ai pas passé un moment palpitant non plus. Des bons avis dedans, les lecteurs ont aimé. Aurélie, par exemple, du compte Aurélivre 57, dit: j'ai aimé retrouver ce style japonais à la fois pudique, doux et sobre, une plume et un univers qui sont apaisants et bienveillants. Et je suis tout à fait d'accord avec cette critique, par exemple. Voilà. Moi, j'ai pas été emportée, ça arrive. Ensuite. Ah, celui-là, je l'attends avec impatience. Je l'attendais avec impatience. Et il s'agit du dernier roman d'Olivia Ruiz, Écoute la pluie tomber. J'avais adoré la commode au tiroir de couleurs qui était également parue aux éditions Lattès. J'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup, quand les éditions Lattès m'ont proposé de découvrir ce roman, j'ai dit oui tout de suite, sans hésitation. Il est très court, hein, il fait 194 pages, donc je devrais pouvoir le lire très vite. Je vais vous lire la quatrième. Marseillette, 1977. Dans le café qu'il a accueilli, étouffée puis révélée, Carmen pleure sa nièce chérie. À plus de 40 ans, elle se rappelle les personnages qui ont changé sa vie. Ceux qui l'ont fait plonger, l'ont remise dans le droit chemin. Ceux qui ont su percer ses failles et écouter ses désirs. Sans oublier ses sœurs dont elle partage les stigmates de l'exil mais refuse de suivre la route. Parce qu'après tant d'épreuves, Carmen aussi veut s'inventer un destin. D'une hacienda près de Tolède à la prison madrilène de Ventas, où le franquiste fait rage en passant par un paquebot transatlantique, Olivia Ruiz nous embarque dans les tourments d'une histoire qui s'entremêle à la grande, où l'amour triomphe de la violence. Un nouveau roman chavirant. Voilà, j'ai trop trop hâte de le lire. Ensuite, qu'est-ce que ça comprend? Ah, c'est les livres Charleston qui sont sortis cette semaine. On est combien là? Le 14, 15? 14. Sorti le 10. Alors, le premier, c'est La Villa des Petits Bonheurs de Lucy Diamond. Je suis pas sûre qu'il y a ma chronique dedans. Hein. C'est pas bon. C'était pas époustouflant pour moi. Non, elle y est pas. Je vais vous lire aussi la quatrième. Bienvenue au 11 Duck Square à Brighton. Trois étages, un magnifique beau window au rez-de-chaussée, une vue à couper le souffle. Dans la jolie ville côtière de Brighton, Sea View House est une maison comme les autres dans un quartier où s'alignent les bâtiments style Régence. Mais ce qui fait la singularité de cette charmante et quelque peu surprenante villa, ce sont les résidents de passage qui semblent y échouer avec la marée, comme Rosa, Charlotte et Georgie. Chacune a sa propre raison de faire sa vie sur le bord de mer, repartir à zéro, oublier une tragédie familiale ou suivre son amour de toujours. Et pourtant, elles vont créer dans cette ancienne bâtisse des liens qui bouleverseront tous leurs plans. Lorsqu'elles franchissent le pas de la porte, les nouvelles locataires ne se doutent pas des petits bonheurs et des grandes rencontres qui les attendent. Portées par l'esprit de cette étonnante villa, elles trouveront en elles le courage de prendre un nouveau départ. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la villa des petits bonheurs? La villa des petits bonheurs, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Pourtant, il se passe des choses. On est sur une comédie de l'été, on est sur un feel good, et comme tout feel good, j'ai du mal en fait avec cette appellation feel good parce que souvent il y a quand même des sujets graves qui sont traités dans les feel good, ce qui est le cas ici. Voilà, il y en a une qui vit une tragédie absolument atroce. Voilà, ces trois femmes complètement différentes qui vont se rencontrer parce qu'elles vont habiter au même endroit, au même moment. Elles vont créer des liens, etc. C'est du déjà vu, je trouve. Et j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai bien aimé, mais j'ai pas été transportée du tout. Parfois, je m'ennuie même peut-être un petit peu parce que tu vois les choses trop vite arrivé. La plume me plaît, mais voilà, je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai pas été embarquée dans cette lecture. Peut-être que si je l'avais lue cet été sur la plage, peut-être que ça l'aurait fait davantage. Peut-être que c'était pas le bon moment. J'en sais rien. Mais la Villa des Petits Bonheurs, ben, c'est mitigé pour moi. Voilà. Par contre, ce petit orange là est super canon. Mais bon, il y a pareil, il y a beaucoup de lectrices Charleston qui ont beaucoup aimé. Donc, comme toujours et encore, je me répète, ça fait deux livres de suite que je vous dis que c'est pas ouf, mais je vous invite à vous faire votre propre avis en fait. Il y a Sophie du Café des Livres qui dit: un roman léger qui nous emmène à la rencontre de plusieurs femmes. C'est à la fois une histoire d'amour, d'amitié et de soutien.
Une histoire de perte, de changement de cap ou de nouveau départ. C'est drôle, c'est doux, une lecture fraîche et sympathique, parfaite pour les beaux jours qui arrivent. Pascal, entre deux pages, ce roman à la plume agréable est rempli d'espoir, de rêves, de rencontres, d'amitié, d'entraide et d'empathie. Un récit tout doux et tout léger qui remonte le moral et ouvre les cœurs et qui comblera le lecteur pour les beaux jours qui reviennent. Si vous avez envie d'une petite comédie de l'été, pourquoi pas, vraiment. Moi, je ne l'ai pas lu en été, alors peut-être que ça a joué. J'en sais rien du tout, je ne peux pas vous expliquer. C'est toujours très délicat hein, de vous parler d'un livre que j'ai moyennement aimé parce que mon fils vient de se lever de sa sieste. Tu peux aller au dodo, il est l'heure de la sieste. Je ne sais plus ce que je disais, je ne sais plus. Voilà, pour la villa des petits bonheurs. Je vous ferai une chronique sur Instagram qui sera peut-être un petit peu plus... clairvoyant. Ensuite, j'ai reçu L'étoile de la liberté de Oriane Lapouge qui est donc paru cette semaine aux éditions Charleston. Et ce roman-là, c'est le prix du livre romantique 2022. J'ai lu peu de prix du livre romantique, donc je peux difficilement en comparer. Le seul que j'ai lu, c'est un Clarisse Sabar, il me semble que c'est le seul que j'ai lu dans les prix du livre romantique. Origami Blues, je n'ai pas lu. Je réfléchis ce qu'il y a eu d'autre. Et ce livre-là, c'est un premier roman. Et pour un premier roman, du coup, je vais dire que c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur parce qu'il aborde des sujets que j'aime beaucoup et c'est très très bien écrit. Ce roman-là, c'est un roman avec une double temporalité. On a d'abord une jeune femme qui s'appelle Marie. On est en 1964. Et voilà, Marie, elle écrit des articles, elle est journaliste, mais elle s'ennuie et elle a envie de quelque chose de plus palpitant dans sa carrière de journaliste. Je sais plus si elle est journaliste exactement, mais elle écrit des articles, ça c'est certain. Et en fait, elle va rejoindre une cause et accompagner dans le Mississippi un homme qui va se battre activement, qui est un militant noir, qui va se battre pour que les noirs s'inscrivent enfin sur les listes électorales. Parce qu'en 1964, les noirs ont droit de s'inscrire sur les listes électorales, ils ont le droit de vote, mais ils n'y vont pas. Ils ne s'inscrivent pas par peur des représailles, parce qu'ils ont le droit, mais... le droit sur le papier. Le droit en vrai, il est différent puisqu'en fait, ils subissent une dépression. Si jamais ils vont s'inscrire, est-ce qu'ils vont pas perdre leur travail? Est-ce qu'on va pas... Enfin bref, ça c'est la partie en 1964 où on a Marie, cette journaliste qui va rentrer dans un monde qui n'est pas le sien et qui va se sentir vraiment investie de cette mission. De faire un article qui montre la vérité, qui montre ce qui se passe. Et à côté de ça, on a une partie un petit peu plus loin dans le passé où là, on va faire un bond de 100 ans en arrière et se retrouver dans les années 1860 où là, bah, l'esclavage, c'est une réalité, c'est ce qui se passe. Et la partie dans le passé, elle est incroyable, bouleversante, difficile. Je sais que quand je lis ces parties dans le passé, j'ai tout de suite des images qui me viennent et c'est des images du film Django Unchained qui est un de mes films préférés. Et je trouve les parties dans le passé à couper le souffle, en fait, vraiment. Oriane Lapouge, je pense qu'elle s'est énormément documentée, énormément renseignée sur ces périodes, sur ces deux périodes historiques qui sont des périodes charnières et des périodes clés de l'histoire des États-Unis. Et vraiment, vraiment, j'ai un coup de cœur. Je vous ai parlé des sujets, je ne vais pas vous en dire plus parce que je vais vous laisser découvrir vous-même l'histoire que je vous conseille sincèrement de vous procurer. C'est un roman qui coûte 18 euros et qui est pour ma part très très bon. Dans la partie, je vais avoir un tout petit bémol sur ce roman-là, mais ça n'empêche pas le coup de cœur. Dans la partie du présent, on est sur le prix du livre romantique, donc évidemment tu te doutes qu'il y a de la romance et que peut-être la romance dans le présent, parfois tu te dis oui bon bah c'est bon j'ai compris quoi. Mais voilà, c'est vraiment un... on va dire que c'est un mini 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 bémol qui ne m'a pas gênée le long de ma lecture, oui, je me suis juste fait une fois la réflexion en me disant, oui, bah c'est bon, mais c'est tout, vraiment, ce livre pour moi, sinon, il a zéro défaut, il est très très bien écrit, la plume, c'est un premier roman, et je trouve toujours que les premiers romans qui sortent comme ça, des trucs incroyables, eh ben moi, je suis admirative, et vraiment, je vous encourage à lire L'étoile de la liberté de Oriane Lapouge. Je vais vous lire la quatrième, qui sera peut-être plus parlant que mon résumé un peu brouillon que je viens de vous faire, parce que bah, je l'ai déjà lu il y a quelques semaines, et... J'ai fait une erreur sur mon aventure Charleston, c'est de ne pas enregistrer mes chroniques au moment où je viens de lire le livre.
Laura du compte Laura's Reading l'a fait merveilleusement bien. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube si vous ne la connaissez pas. Et en fait, elle fait des épisodes de ses lectures et bon, il y a du début à la fin en fait. Et j'aurais dû faire plutôt comme ça. Je l'ai fait juste pour le roman de Marie Vareille où j'ai enregistré ma chronique au moment où j'ai terminé le livre parce que le livre de Marie Vareille, je le répète, c'est une pépite qui sort la semaine prochaine. J'ai hâte de vous en parler. Mais voilà, je vais vous lire la quatrième. Je suis partie loin encore dans mes explications. Pour nous, ce sera le bulletin de vote ou le fusil. Lorsqu'elle entend ces mots à la radio un soir d'avril 1964, Marie en est convaincue, elle a enfin trouvé le sujet qu'elle attendait. Après presque un an passé au Columbus à écrire des articles qui ne l'intéressent pas vraiment, elle va enfin pouvoir s'impliquer dans une grande cause. Bien décidée à être la porte-parole de ce moment historique, elle prend la route pour le Mississippi aux côtés de centaines de militants pour aider les citoyens noirs à s'inscrire sur une liste électorale. Bien loin de son Ohio natal, elle est confrontée à un Sud encore profondément marqué par le racisme et la ségrégation. Quand elle sauve des décombres d'une église des carnets datés de 1848 à 1860, elle découvre le parcours bouleversant de femmes et d'hommes qui ont fui l'esclavage et de ceux qui les ont aidés au péril de leur vie. Un premier roman à la fois captivant et déchirant, porté par des personnages inoubliables qui, chacun à leur manière et en leur temps, sont en quête de liberté. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bout de chronique? Un vrai coup de cœur, ce livre parle d'humanité, de ceux qui n'en ont aucune et de ceux qui en ont à revendre. J'ai vécu des émotions puissantes. Un premier roman incroyable que je vous recommande sincèrement. Ah bah, là, les livres des prix du livre romantique. Ah bah si, j'ai lu Le rêve de nos mères de Karine Pitocchi, t'es un peu nul, parce qu'en plus je l'ai adoré. Voilà, Origami Blues, j'ai pas lu. Cueilleuse de thé, je n'ai pas lu. La vallée des oranges, je n'ai pas lu. Le bruit des pas, je n'ai pas lu. Mais oui, j'ai lu Le rêve de nos mères. Comment j'ai pu oublier ça? Voilà, à noter dans vos wishlists si jamais vous aimez l'esclavage, la ségrégation, les romans qui abordent ces thèmes. Vraiment, vous pouvez y aller. Je pense que vous passerez aussi un excellent moment. Voilà, pour mes réceptions du jour, je remercie beaucoup les éditions Charleston, Lamy et JC Lattès pour l'envoi de ces précieux romans. Et puis écoutez, moi j'espère finir mon Jane Austen aujourd'hui, c'est pas gagné. C'est pas que j'ai pas envie de lire, c'est que j'ai pas spécialement la tête à ça, on va dire. Et que du coup, quand je commence à lire mon livre, eh ben, j'ai mon esprit qui divague. Et du coup, bah, je lis 15 lignes, je pense à autre chose et c'est fini. Voilà, c'est le problème. Je suis très bien dans le Jane Austen, c'est pas le problème du bouquin, c'est vraiment le problème de dans ma tête en ce moment. Bref, j'ai fini de vous raconter ma vie pleine de trous et je vous reprends plus tard. Hello, je vous reprends, on est lundi. Je vais vous reprendre pour vous parler enfin de Northanger Abbey de Jane Austen que j'ai terminé samedi, vendredi, je sais plus. Alors, je vais vous faire un petit peu l'update et la quatrième de ce roman. Northanger Abbey, c'est donc l'histoire de Catherine Morland. Catherine Morland, c'est une jeune femme qui doit avoir 17-18 ans, je dirais, et qui est invitée par une famille, les Allen, à aller quelques jours, quelques semaines même, avec eux à Bath, une station balnéaire. Sur place, elle y rencontre évidemment du monde, puisqu'on est dans le milieu des convenances, des bals, des lettres, des invitations, des bains, etc. Et elle va y rencontrer deux personnes. Elle va rencontrer la famille Thorpe, avec notamment la fille Thorpe, avec qui elle va se lier d'amitié très rapidement. Et cette même jeune fille va ensuite s'éprendre du frère de Catherine. Et pendant ce temps-là, pendant que se noue cette amitié avec Isabelle Thorpe, elle va également rencontrer un jeune homme qui s'appelle Henry Tilney, qui est pas tout à fait comme les autres et qui l'attire beaucoup. Et puis après, elle va également rencontrer sa sœur, Éléonore, être amie avec sa sœur, etc. Donc ça, on est sur la première moitié du roman où c'est un chassé-croisé avec Monsieur Tilney où elle aimerait bien le voir, mais qu'il n'est pas présent à la soirée, qu'il n'est pas présent au bal, qu'il ne s'est pas rendu au théâtre, etc. Et puis finalement, comme je vous dis, elle va se prendre, également nouer une amitié avec la sœur de ce monsieur Tilney, Éléonore, et sa famille va ensuite l'inviter à venir séjourner chez eux dans une magnifique, somptueuse demeure qui s'appelle Northanger Abbey. Voilà, ça c'est le pitch, un petit peu détaillé déjà quand même, puisque j'en arrive à la moitié du roman pour vous parler de Northanger Abbey, d'où le titre. Au début, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Quand tu lis la première moitié du roman, tu comprends pas pourquoi il s'appelle comme ça. Et puis d'un coup, ça s'écrit.
éclaircie. Alors, j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai adoré, j'aime beaucoup La Plume de Jane Austen. En fait, je pense que c'est ça. Si tu aimes La Plume de Jane Austen, ce roman te plaira. Il est fidèle à ce qu'elle a fait, elle a fait précédemment. Il me semble que celui-ci, c'est son seul roman terminé, paru à titre posthume, parce qu'il y en a eu un autre paru à titre posthume, mais qui n'était pas terminé, qui a été ensuite donc coécrit. Mais celui-ci, il est sorti après qu'elle soit décédée. On est dans la même veine que ce qui est fait précédemment dans Persuasion, dans Orgueil et Préjugés, dans Raison et Sentiment. Voilà, ça c'est ceux que j'ai lus et que je connais. On est dans la même veine, c'est-à-dire que tu pars d'un point A et tu vas toujours au même point B. Tu le sais, c'est écrit, il n'y a pas de surprise. Et en même temps, j'aimerais pas qu'il en soit autrement dans un roman de Jane Austen. Si tu as déjà lu un roman de Jane Austen et que tu n'as pas aimé, tu n'aimeras pas Northanger Abbey. Je pense que tu, enfin voilà, je pense pas que tu pourras aimer. Et en revanche, bah, si tu aimes ce qui est fait habituellement, et eh ben, tu vas t'y plaire parce que tu vas retrouver tous les codes de l'écriture de cette autrice-là. Tu vas retrouver un petit peu cette satire sociale de la société de l'époque, de la société anglaise. Elle dénonce toujours beaucoup de choses, Jane Austen, dans ses romans. Elle se moque de la société, elle utilise des personnages très caricaturaux, des drama queens, j'ai envie de dire. Et voilà, moi en tout cas, j'adore ce que fait Jane Austen, j'ai pas du tout été déçue par ce roman-là. Il m'en restera deux à découvrir de l'autrice, il me restera Emma et Mansfield Park. Mansfield Park, je l'ai reçu il y a pas très longtemps. Oula! Je disais Mansfield Park, je l'ai reçu il y a pas très longtemps en service presse et donc je le lis le mois prochain. Dans le cadre d'une lecture commune qui est organisée par Léa du compte Léa Book Addict. Donc voilà, il est un petit peu plus gros celui-ci. Il fait 578 pages en poche, alors que celui-ci, il faisait 312, un truc comme ça. 312 pages. Et bon, ça se lit très vite. J'ai mis du temps à lire, mais c'est parce que j'ai un mood assez. J'ai un peu perturbé ces derniers jours. Voilà. Avec des illustrations. J'adore. Franchement, les couvertures, les livres comme ça de chez Hauteville, je les trouve sublimes, que ce soit Madame Bovary. Moi, j'ai Persuasion aussi, comme ça. Et Persuasion, c'est mon préféré de Jane Austen. Voilà, avec toujours des superbes illustrations dedans. J'adore. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire que la dorure sur celui-ci, alors est-ce que j'ai de la chance ou est-ce que je les manipule correctement? Je ne sais pas, mais ils partent pas. Sur cela, faut faire un petit peu plus attention. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce roman de Jane Austen. Hier soir, j'ai commencé un nouveau roman. C'était pas du tout prévu dans mon planning, c'est pas du tout ça que je devais lire. Pour être très honnête, je dois lire un tome 3 d'un roman en Charleston. Et je suis un petit peu embêtée parce que j'ai le tome 2 dans ma palle que je n'ai pas lu, j'ai le tome 1 que je n'ai pas du tout. Et du coup, je crois que je vais pas être la bonne élève du groupe et que je vais faire une impasse dessus. Parce que ça m'embête, moi, la psychorigide de ne pas lire les deux premiers tomes alors que c'est un tome 3. Je sais qu'il peut se lire indépendamment, mais vraiment j'ai du mal avec ça. Surtout que j'ai un tome 2 et qu'en fait, si je lis le tome 3, je suis quasi sûre que je lirai jamais le tome 2. Donc voilà, je vais me trouver le tome 1, je lirai le tome 2 et je lirai le tome 3 un petit peu plus tard. Bref, du coup, hier j'ai commencé La femme de chambre de Nita Prose, qui est donc parue aux éditions Calman Levy. Je vous avais montré sur Instagram, j'avais reçu un chouette colis de la part de Calman Levy avec dedans du produit ménager. C'est un cosy, c'est présenté comme un cosy mystery. Je vais vous lire la quatrième. Je suis votre femme de chambre, j'en sais tellement sur vous, mais en fin de compte, vous, que savez-vous vraiment de moi? Bienvenue au prestigieux hôtel Regency Grand, avec ses tapis de velours rouge, ses dorures et ses employés plus rocambolesques les uns que les autres. La jeune Molly, discrète, solitaire et zélée, y travaille comme femme de chambre et en connaît tous les recoins. Mais un jour, elle trouve la richissime Madame Black dans sa suite paniquée, aux côtés du corps sans vie de son mari, une pagaille bien compliquée à ordonner. Mêlée, malgré elle, à cette étrange affaire de meurtre, Molly va mener l'enquête, aidée de quelques précieux collègues et amis. Elle va alors découvrir que derrière la magnifique façade, le Regency Grand cache bien des secrets. Alors déjà, c'est pas tout à fait exact la quatrième quand je la lis, mais bon, c'est pas grave. C'est pas exact, mais bon, ça ne... Ça vous... Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas exact, mais... Mais c'est pas grave.
ça ment pas en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire. Bref. J'ai donc lu hier 9 chapitres, j'en suis à la page 155. Je me sers de ça comme marque-page parce que je trouve ça trop marrant. Et franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est un cozy mystery comme je l'entends, comme moi je l'entends selon mes critères à moi, mais je passe un excellent moment. J'en attends rien en fait de ce roman quand je le commence et franchement, c'est une belle surprise. J'aime beaucoup Molly, sa personnalité, très atypique, mais tout ça, je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici, comme d'habitude. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous remercie si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Je vous remercie également si vous avez pris le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur Instagram. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, bye!